m'appelle Langrie Yasmine et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mon projet de physique-chimie encadré par Madame Nadia Spahi, intitulé « Molécules d'ADN » sous le thème de l'électricité et de la matière. En effet, mon intérêt pour les molécules à forme complexe m'a donné envie de créer une molécule d'ADN. Ma maquette est composée à partir de matériaux simples qui la mettent en valeur, notamment les boules sarbacanes qui représentent les nucléotides ou les molécules d'ADN, et des bâtonnets métalliques qui représentent les liaisons d'hydrogène. Une fois rassemblées, toutes ces pièces nous donnent deux brins complémentaires, formés sur un long squelette contenant les nucléotides. Enfin, je tiens à remercier toute personne ayant contribué à la réalisation de ce projet, en particulier Madame Hayat et Madame Nadia Spahi, sans qui ce projet serait infructueux. Bonjour, je m'appelle Oumessa Haddad, j'ai le plaisir de vous présenter mon projet intitulé « Les courants électriques » encadré par mon professeur Madame Nadia Spahi sur le thème de l'électricité. J'ai choisi ce projet pour tester mes connaissances d'après la leçon acquise en classe et de mettre mes idées en pratique. Comme vous pouvez le voir, ma maquette est composée de divers courants, un courant continu et deux courants alternatifs. Tout d'abord, je me suis concentrée sur les composants des circuits, des ampoules, des lampes, des interrupteurs, un détecteur de mouvement et des générateurs. Ensuite, j'ai tout rassemblé sur une planche en bois de 70 x 50 cm. Enfin, ma maquette m'a permis de mettre mes idées en pratique et de changer mon avis négatif sur l'électricité en positif. Et donc, je tiens à remercier mon professeur Madame Nadia Spahi et Madame Hayat qui nous a aidés grâce à sa leçon de communication. Bonjour. Chers parents et étudiants, nous voulons vous présenter une maquette intitulée « La fontaine » sous le thème « L'électricité » réalisée par Iman Saoudi, Zohar Bouafi et Naïla Kameri et moi-même, Raniel Mziani, sous l'encadrement de Madame Nadia Svahi et Madame Hayat. Cette maquette a pour but d'appliquer nos acquis et nos connaissances, de maîtriser mieux notre leçon, de développer notre imagination, surtout en architecture, d'apprendre comment distribuer le rôle entre le groupe, de gérer le groupe et aussi de faire un plan de travail, d'avoir un esprit de concurrence. Pour la réalisation de cette maquette, on a suivi les démarches suivantes. D'abord, on a utilisé un bassin en liège peint en bleu sous la partie où l'eau se réserve et en marron dans les contours. Ensuite, on a utilisé du plâtre pour fixer les fils qui sont reliés aux plantes montées en dérivation afin qu'elles fonctionnent indépendamment. Ensuite, on a installé les poteaux. Dans la troisième démarche, on a fixé la pompe au milieu du bassin. Par conséquent, l'eau qui se trouve dans le réservoir monte sous la pression de la pompe et tombe légèrement dans le bassin. On présente dans cette maquette un globe terrestre entouré de plusieurs couches atmosphériques. Il y a pour le bleu ciel, troposphère, pour le bleu foncé, on a stratosphère, et pour le jaune, on a représenté le mésosphère, et finalement pour le thermosphère, on a utilisé le rouge. Ainsi, on a utilisé des petites boules en fer pour représenter d'autres planètes, et finalement, il y a les étoiles qui sont représentées par des petites ampoules avec la lumière blanche. Et je vous laisse avec mon ami. Finalement, ces maquettes ont changé notre point de vue de la physique et nous sommes très fiers de notre travail et de notre fruit. Ainsi, nous tenons à remercier notre chère professeur, Madame Nadia Svahi et Madame Hayat, conseillère en communication et marketing des écoles. Et nous remercions aussi nos chers parents. Ces personnes-là, nous avons assuré des circonstances de travail adéquates sous leur surveillance. Bonjour, nous tenions à vous présenter notre maquette sous le thème de la pollution de l'air. Mais avant tout, nous tenions à remercier Madame Svahi et Madame Hayat Sarhan pour leur encadrement et leur participation au projet. Notre maquette est sous le thème de la pollution.
Elle représente un globe terrestre dominé par une usine qui la pollue. Ce travail est présenté par Lina Amarsh et Kenza Lalami. Commençons par le commencement. Je passe la parole à mon ami pour l'introduction. C'est officiel. Selon un récent rapport de l'OMS, la pollution de l'air provoquerait plus de morts que la tuberculose, le diabète, le sida réunis. C'est un problème d'actualité qui touche tous les pays du monde. Cependant, ce fléau ne constitue en aucun cas un problème récent ou un phénomène épisodique, car ses origines remontent aux périodes préhistoriques. Elle a suscité plusieurs conférences d'intervention, mais rien n'y fait. C'est un problème toujours présent, d'actualité et très dangereux. La pollution est donc un problème grave aux conséquences dangereuses. Et chacun de nous est donné et ensemble, chacun de nous est concerné. Ensemble, nous pouvons surmonter cette tragédie. Il y va de la survie de nous, de notre vie et de notre planète. Bonjour, nous sommes Arab Marwa et Lahlou Selma, collégiennes au sein du groupe scolaire Le Cèdre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter notre projet intitulé « Au cœur des molécules et des atomes ». Basé sur la matière PC, encadré par Madame Nadia Sbaï, notre professeure de physique chimie. Sous le thème « L'électricité et la matière ». On s'est basé sur une représentation moléculaire et atomique sur une planche sous forme de lampe représentant les atomes reliés par des fils de connexion qu'on peut allumer et éteindre grâce aux interrupteurs. Les matériaux utilisés sont le verre et le bois afin de créer un effet de 3D du bâtiment. Nous avons commencé par acheter le matériel convenable, lampe, générateur, peinture, etc. Puis peindre le plan de travail et installer le matériel. Enfin, brancher la prise et allumer les lampes. On s'est basé sur une représentation moléculaire et atomique sur une planche sous forme de lampe qui représentant les atomes reliés par des fils de connexion et qu'on peut allumer et éteindre grâce aux interrupteurs. Les matériaux utilisés sont le verre et le bois afin de créer un effet de 3D du bâtiment. Nous avons commencé par acheter le matériel convenable, lampe, interrupteur, peinture, etc. Puis peindre le plan de travail et installer le matériel. Enfin, brancher la prise et allumer les lampes. Bonjour tout le monde, je m'appelle Amal Jeran. J'ai l'honneur de vous présenter ma maquette Fleur éternelle, encadrée par Madame Sfaï sous le thème l'électricité. Ma maquette représente la fleur éternelle de la Belle et la Bête qui délimite le reste de vie de la bête et obscurcit son cœur. La raison pour laquelle j'ai choisi cette idée est j'aime bien tout ce qui est dessins animés, Disneyland et autres. Pour conclure, je suis satisfaite de ce projet qui m'a apporté plusieurs connaissances et sans oublier un grand merci à Madame Sperry qui nous a encadrés et Madame Salahan, notre conseillère en communication et marketing. Merci. Bonjour, je me présente, je m'appelle Doha Jamil. J'ai l'honneur de vous présenter ma maquette nommée Alitalie sous le thème l'électricité, encadrée par notre professeure de physique Madame Nadia Sperry. Cette maquette, et tout le monde connaît cette maquette, c'est la tour de Pise. C'est un monument historique situé à l'Italie. Du coup, pour la construire, j'ai utilisé un support de bois, une image de la tour imprimée et des couverts en couleur. Après j'ai rassemblé tous ces outils pour enfin me donner une maquette qui donne la couleur blanche en plusieurs couleurs, rouge, vert, jaune et bleu. Pour conclure, je suis satisfaite et assez contente de ma maquette. Du coup, je voudrais remercier infiniment notre professeur de physique et aussi Madame Sirhan, notre professeur de communication. Bonjour, nous avons le plaisir une autre fois de vous exposer notre projet.
notre projet sous le thème de l'électricité et de la matière, encadré par notre professeure de physique, Madame Nadia Sbaï. Tout au long de ce projet, nous avons découvert un monde obscur que nous voulons vous faire découvrir grâce à nos multiples recherches. Notre maquette représente la structure interne de l'atome qui est constituée d'électrons qui tournent autour d'un noyau qui contient des protons et des neutrons. Pour conclure, on va revenir à une phrase, c'est découvrir ce monde obscur. C'était une découverte extraordinaire qui nous a montré la vérité d'une structure d'une molécule. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on compte vous présenter notre projet de physique intitulé « L'histoire de l'atome sous le thème de la matière » réalisé par Ibn Nuissi et Malik Mel et encadré par notre prof de physique, Nadia Sbaï. Notre projet s'articule sur une ville fictive, de petites maisonnettes en bois, une route construite par du papier, du fil de fer, de la peinture et des bougies pour représenter les atomes. Au cours de la période des étapes de fabrication, on a commencé par la peinture, la représentation des modèles atomiques, et puis des physiciens, et puis à l'écrit, et c'est tout. Les philosophes grecs anciens considéraient que la matière des choses s'expliquait par un savant mélange de quatre éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Au XVe siècle, avant notre ère, le philosophe Démocrite pense que la matière est formée de grains de matière indivisible, qu'il nommait atomes. En grec, les atomes signifient qu'on ne peut pas diviser. Pour lui, les atomes sont éternels, ils s'en sont pour former des objets qui nous entourent. Pour le modèle de Dalton, il a considéré que l'atome est un simple sphère qui ressemble à une boule de billard. Alors pour le modèle de Thomson, celui-ci, il va imaginer que l'atome est comme un gâteau, avec des pépites de chocolat. Il a représenté des parties chargées positivement et d'autres chargées négativement. Ensuite, Rutherford en fit une expérience pour démontrer son idée. Il en déduit un nouveau modèle, un noyau central autour duquel gravitent des électrons chargés positivement et négativement. Après toutes ces expériences, apparaîtra un physicien danois, Bohr, qui va imaginer un nouveau modèle, comparable au système solaire. Au centre, un noyau autour duquel gravitent des électrons. Le physique moderne, le modèle actuel de l'atome est l'aboutissement d'une longue histoire au cours de laquelle les représentations ont profondément évolué. On va se contenter d'un simple modèle constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons qui forment un nuage électrique. Bonjour, je m'appelle Youssef Khadeli et j'ai le plaisir de vous présenter ma maquette sous thème de l'électricité. Tout d'abord, j'ai décidé de construire cette maquette car j'avais une passion pour tout ce qui était électrique. Et j'ai eu la chance de pouvoir construire cette lampe qui est un des éléments essentiels dans une maison. Maintenant, je vais vous présenter la fiche technique de la maquette. Pour la dimension de la maquette, c'est une surface ronde entre 49,93 cm. Pour le matériel, j'ai besoin d'abord une ampoule, un circuit électrique, de la polystyrène et de la colle forte. Pour conclure, je dirais que c'était une expérience enrichissante et pleine d'apprentissage. Maintenant, place à la deuxième maquette. Ce qui m'a inspiré dans cette maquette, pour faire cette maquette, c'est les différents types de couleurs, de taille et d'atomes, et leur fusion qui donne des molécules. Maintenant, je vais vous présenter la fiche technique. Pour la dimension de cette maquette, c'est une surface rectangulaire entre 50,70 cm. Pour le nord, c'est une vue de 3D du bâtiment, vue de face, vue de gauche et de droite. Pour le matériel, j'ai besoin d'une plaque de polystyrène, de boules en polystyrène de différentes tailles et de pics brochettes. Pour conclure, je dirais que c'était une expérience enrichissante
que la première, car ça m'a aidé à mieux maîtriser la leçon. Et je tiens à remercier Madame Salhan et Madame Spahi pour les efforts fournis. Bonjour, nous avons le plaisir de vous présenter notre projet intitulé La planète en danger, encadré par Madame Nadia Spahi et Madame Hayat Salhan, sur le thème de la matière et l'électricité. J'ai l'honneur de vous présenter ce projet. Il est réalisé par moi, Khtabi Amin, et mon camarade Youssef Ghalab. L'origine de ce projet, c'est la protection de l'environnement. Comme vous le savez tous, la pollution est un fléau qui concerne tout le monde entier et nous aussi. Mais est-ce que vous savez exactement ce qui se passe? Sinon, essayez-nous de vous expliquer. Bon, la maquette, comme vous le voyez, c'est deux planches de bois posées verticalement. L'une où on a schématisé les couches de l'atmosphère et une autre où on a mis un décor. Et on a choisi le thème de la protection de l'environnement pour sensibiliser les gens et aussi pour montrer notre esprit créatif. Youssef, c'est quoi l'atmosphère? L'atmosphère est une enveloppe qui englobe toute la planète Terre et qui est composée d'air. Et cette dernière est composée de plusieurs couches. On a d'abord la stratosphère qui est en surface, puis après on a la stratosphère qui compte la couche d'ozone, puis après cela on a la mésosphère qui a la particularité d'être très froid, d'être la couche la plus froide, puis on a la thermosphère qui a la particularité d'être la couche la plus chaude, et c'est aussi là où les navettes se trouvent. Puis enfin, on a l'exosphère qui est à la limite de l'espace. Youssef, j'ai entendu beaucoup de gens qui parlaient de la pollution. Tu peux m'expliquer ce que... Ok, c'est pas de problème. La pollution est tout simplement la modification ou bien la destruction d'un écosystème par un facteur humain. Et cette dernière est subdivisée en trois types. La pollution de l'air, c'est ce qu'on va schématiser ici, et qui fait le trou de l'ozone, la couche d'ozone, comme vous voyez. Et puis il y a la pollution de l'eau qui engendre sa rareté, et enfin la pollution des sols qui engendre sa fertilité. Inortable. Voici une expérience qui nous montre la pollution de l'air. D'abord, il y a de la fumée qui remonte des usines. Et il y a une fumée qui remonte des déchets rejetés par les humains. Cette dernière fait un trou de la couche d'ozone. Mais dis donc, Tabi, comment tu fais cette maquette? J'ai réalisé cette maquette en quatre étapes. La première étape, j'ai acheté le matériel requis. Planches de bois, peinture, colle, plastique, etc. La deuxième étape, j'ai fait la décoration et je l'ai peint. Mais la troisième étape, j'ai schématisé toutes les couches d'atmosphère. Enfin, j'ai rassemblé le tout. Pour terminer, on va remercier la direction et Mme Sveig qui nous a fait aimer la matière, qui nous a aidé à faire ce projet. Nous remercions aussi Mme Hayat qui nous a aidé à présenter notre projet. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter notre projet intitulé pour les propriétés de l'air, fait par moi-même, Amina Fatihi et Marwa Wardi, encadré par notre prof de physique chimie, Madame Sbahi Nadia, et notre prof de communication, Madame Sahan Hayat. Tout d'abord, pour la structure de notre maquette, on a utilisé du bois, ainsi de la peinture et aussi un feutre noir pour décorer. Donc, notre maquette est essentiellement formée du bois, comme on a dit. On a relié ces deux morceaux de bois, on les a reliés à l'aide d'un pistolet à colle. Puis, on a ajouté une toute petite légende, ainsi... Comme vous voyez ici, les quatre cubes qu'on les a utilisés pour faire tenir la surface et la base, on les a collés entre la surface et la base pour faire tenir la maquette. Voilà, je vous laisse maintenant avec Amina Fatihi qui va vous présenter les constituants des
des constituants d'air. Tu peux tenir. Oui. La couleur bleue représente le diazote. Son pourcentage est de 78% approximativement. Le dioxygène est représenté par la couleur mauve. Son pourcentage est de 21%. Autres gaz, 1%, tels que dioxyde de carbone, l'argon et l'ozone, etc. Merci de votre attention et on remercie Mme Hayat-Sahan qui nous a aidé à gérer notre stress et aussi au niveau de la communication. Merci. Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous représenter notre projet intitulé l'atmosphère terrestre qui est réalisé par Kinza Rachidi, Salma Al-Hilou, Hibar Jraj et moi-même Inès Laniba et encadré par Mme Nadia Sfahi et Mme Hayat-Sahan. Il est fabriqué principalement du bois et de verre et il met en scène l'atmosphère terrestre qui est sous forme d'une couche gazeuse entourant la Terre et contenant quatre couches superposées principales, la troposphère, la stratosphère, la mésosphère et la thermosphère. Nous avons choisi ce projet car nous avons tous apprécié le thème et nous sommes tous intéressés à l'ambiance spatiale. Et nous tenons à vous remercier pour votre attention et Madame Nadia Sbaï pour tous ses efforts fournis tout le long de cette année scolaire et Madame Hayat pour son soutien. Et merci. Bonjour, je m'appelle El Graouirania. Au nom du groupe scolaire Le Cèdre, j'aurai l'immense honneur de vous présenter cette simple petite maquette qui schématise le montage en parallèle de trois lampes différentes et donc porte sur le thème de l'électricité. Donc en termes de matériaux, cette maquette elle est faite de bois brut, de lampes, d'interrupteurs, de comptes plaqués issus de récup bien évidemment, fil de connexion et matériel de montage électrique basique, et sans oublier une source de courant sans laquelle rien n'aurait pu fonctionner. Donc, vous vous demandez, j'estime depuis tout à l'heure, pourquoi typiquement ce montage-là en parallèle ? Eh bien, je vais vous répondre. Mais pour cela, il suffit d'établir une toute petite comparaison entre le montage en parallèle et le montage en série. Pour cela, nous allons nommer le montage en série situation 1 et le montage en parallèle situation 2. Dans la situation 1, les éléments sont montés les uns à la suite des autres. Par contre, dans la situation 2, ils sont montés parallèlement. Et donc, on va imaginer qu'un bris est survenu. Dans la situation 1, le courant ne passe plus, rien ne fonctionne. Dans la situation 2, le courant continue de passer et alimente les autres branches qui n'ont pas été atteintes ou brisées. Donc, une partie du montage fonctionne encore. Parlons maintenant intensité lumineuse. Pour l'intensité lumineuse, cela variera. Pour la situation 1, cela dépendra du nombre de lampes. Pour la situation 2, cela ne variera pas selon le nombre de lampes, peu importe, elle sera toujours aussi satisfaisante, même excellente. Et donc, on déduit de cela que le montage en parallèle est le plus adéquat à utiliser chez soi, pour un projet personnel, bref, un peu tous les jours et partout. Personnellement, ce qui m'a motivée pour ce projet, c'est l'ambiance et l'atmosphère scientifique qui régnait tout au long, ainsi que l'esprit créatif qui s'est développé merveilleusement, je trouve, et qui nous a permis de découvrir d'autres horizons de la science que je n'ai pas eu l'occasion de traiter auparavant. Nous remercions également l'encadrement merveilleux que Madame Sbaï Nadia, notre prof et notre conseillère en communication, Madame Hayat Sahan, nous ont offert. Et nous remercions aussi le groupe scolaire Le Cèdre d'avoir ces idées ingénieuses et de nous offrir des profs aussi magnifiques que merveilleux aussi, je dirais. Et d'ici là, je vous donne un nouveau rendez-vous pour un nouveau projet et une nouvelle maquette. Merci. Wow.